Bonjour à toute personne qui regardera cette vidéo, c'est Pierre, la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve parce que j'ai trouvé chez Action une lampe loupe avec lumière, 4,79€. Alors à ce prix-là, évidemment, j'imagine qu'il ne faut pas s'attendre à la Cadillac des lampes loupes, mais si ça fait le taf, pourquoi pas. Donc on va déballer ce machin-là. Alors ce produit-là chez Action, en ce moment, il y en a une blinde. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors moi j'ai des espèces de lunettes loupes pour faire de la maquette, mais ça parfois ça peut être pratique. Et je me suis dit allez on va tenter le coup. Et donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte et on va voir comment ça marche. Voilà. Hop. 4,79€. Je ne sais pas si vous imaginez le bazar. Alors voilà déjà la loupe. Ici nous avons probablement de quoi l'attacher, j'imagine. Ça a l'air assez sympa. On a ça ici, voilà. Ouais, c'est cool. Voilà, on a un petit plan. Alors, comment ça marche cette histoire? Apparemment. Alors déjà, il faut venir visser ça ici. Là, c'est nickel. Ok, ok. Alors après, on me dit que je peux apparemment. Ah oui, ok. Yeah, ça c'est cool. On fait ça. Et là, on peut pincer au niveau de la table. Et du coup, on peut la mettre comme on veut. Ok, écoutez, jusque-là, c'est très sympa. 4,79€, je répète, c'est vraiment sympa. Voilà. Bien sûr. Alors ici, vous voyez, on voit qu'il y en a une un peu plus loupe encore ici. Alors, open, voilà, ça c'est pour les piles. Ok. Deux triple A, c'est ce que j'avais vu sur la boîte qui était bien indiqué. Ok, j'ai donc prévu le coup. Donc on va en mettre une ici. On va en mettre une là. Ok. Hop, ça m'a l'air assez solide pour 4,79€. Et puis comment on allume ce truc, je ne sais pas. Ah, c'est ici, voilà. Ok, super. Il y a peut-être un faux contact, ou alors les piles ne sont pas, ce ne sont peut-être pas des piles chargées correctement. C'est bizarre ça. Bon, attendez, on va toujours venir visser ça ici. Et puis je vais aller chercher d'autres piles parce que ce sont peut-être des piles, c'est des piles qui ont déjà été utilisées, hein, donc si ça se trouve. Non, ça ne s'allume pas. Donc, on va voir si ce sont les piles ou autre chose. Donc, je vais déjà les enlever. Je vais aller essayer d'en choper d'autres qui sont sûrs d'être chargés. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, même sans lampe, ça peut être sympa. Maintenant, évidemment, si ça ne fonctionne pas, j'irai le reporter. Voilà, alors. Hop. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, par exemple, vous avez votre table qui est là. Vous faites ça. Ok. On tourne ça dans l'autre sens. Voilà, on met ça par exemple comme ça. Je vais essayer de vous montrer tout ça correctement. Oui, la lampe loupe, elle est là. Sympa. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Donc les piles que j'ai mises dedans, en fait elles n'avaient plus de jus et je n'ai plus de piles pour pouvoir tester, mais bon voilà. Ou sinon en ce qui concerne le grossissement, vous voyez, c'est un grossissement de 2 à 3 fois
Et franchement, pour 4,79€, même pas 5 balles, c'est la classe. Alors, pour moins de 5 balles, on n'a pas de petit clapet cache-poussière, protection, mais ça, c'est pas bien grave. Vous voyez, sur les trucs chers, vous avez un petit clapet ici, un petit en dessous qui permet de protéger la loupe. Bon, encore une fois, moins de 5 balles. Franchement, pas mal du tout. Regardez-moi ça. Hop. Encore un petit test juste pour le fun. C'est vraiment la classe. En plus, en général, les petites LED sur des trucs à ce prix-là, on se doute bien que c'est pas Las Vegas. Je travaille devant une fenêtre, donc j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc voilà, nickel, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Pierre de la chaîne Crazy Kid.